Hé hey, t'as pas une pièce, s'il te plaît? Je te parle, là. Bah, ça t'écorche sur la gueule de me répondre quand je t'appelle. Vous me parlez? Ouais, bah voilà, tu vois, quand tu veux, là. En plus, t'as un joli brin de voix. Et moi, je vous trouve familier. Ouais, je te rassure, j'ai pas du tout envie de faire partie de ta famille. Hein. Ah bah, tant mieux. Qu'est-ce qui te dit que j'aurais envie de faire partie de ta grande famille, là? Je sais pas, peut-être la jalousie. La jalousie? Bah ouais. Ah bah pour ça, faudrait déjà que j'ai des envies. Hein. Là, vous marquez un point. Ah, et si je marque un point, j'aurais bien aimé que vous le transformiez en pièce. C'est possible, ça? Vous voyez, là, vous avez des envies. Ah non, c'est pas des envies, ça, c'est de la survie. Ne me faites pas croire que vous aimez bien votre condition, hein. Et puis, vous devrez être envieux des gens qui passent devant vous. Ah, des gens qui passent devant moi, mais ça, c'est parce que vous les voyez pas. Hein. Allez, viens t'asseoir, là, viens voir. Allez, viens, c'est bon, c'est tout propre, là. J'ai pas pu faire passer la femme de ménage, mais c'est nickel. Viens. Ouais, nickel, on peut le constater. Voilà, bienvenue chez moi. Pas chez moi. Tu vois ce que je vois, moi? C'est les gens, là, dans leur bagnole, là, qui fument clope sur clope parce qu'ils se demandent si le patron va être content du chiffre d'affaires qu'ils ont fait ce mois-ci. Puis ce que je vois aussi, là-bas, c'est le groupe de personnes, là. Tu vois, tous sur leur téléphone, ils sont assis les uns à côté des autres, ils se parlent pas. Et puis, regarde, là, la petite vieille, là, avec le petit vieux. Tu les vois? Ouais. T'as vu le regard vide qu'ils ont? Gros caddie qui traîne, là. Ouais. Ils ont l'air malheureux, un peu, quand même, hein. Bon, t'as les champions du monde des parents là qui sont en PLS là parce que leurs gosses ils font n'importe quoi, ils ont l'impression que le parc leur appartient et puis pour se faire des potes ils se disent que tiens, si je mettais les grands coups dans les parties génitales de mes copains. Et puis attends, j'ai pas fini. T'as le champion du monde de la connerie aussi. Ouais, t'es celui qui prend toutes les merdes qu'il y a dans sa bagnole, qui les jette par la fenêtre, fait mais c'est bon, ça fait du boulot pour les éboueurs, ça pille un peu à gamelle là, c'est bien pour les clodos ça, hein, hein. Et puis la planète, on s'en branle. Voilà, c'est ça que je vois, tu vois. Dans ta famille. Vous vivez dans l'obscurité totale, hein. Vous voyez tout en noir. Parce que toi, tu vois tout en blanc, peut-être? Moi, je vais te dire ce que je vois. Ouais. Moi, je vois la vie, avec tout ce qu'il y a de beau et de laid. Je vois un jeune homme qui se lève dans le train et qui laisse son siège à une mamie. Je vois aussi deux jeunes, un couple, qui se tiennent la main, qui se font des bises de part et d'autre. Je vois une dame qui jette sa cigarette dans la poubelle. Enfin, je vois la vie en beau. Mmh. Ouais. Et je vois aussi quelqu'un qui a décidé de tout laisser tomber et se retrouver seul. Et qu'est-ce qui te dit que je suis malheureux? J'ai pas dit ça, hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas dit ça. Je vois aussi un jeune homme pressé, mais qui se retrouve finalement avec un homme assis sur son trottoir. Enfin, ouais, enfin, la différence, c'est que c'est pas mon trottoir. Hein. Donc, je suis contre l'instinct de propriété. Si seulement vos ancêtres pouvaient avoir le même langage. Un point partout. Ouais. Bon, ça vaut une pièce. Si. Mais je te demanderai pas de me rendre la monnaie. Merci.